Au début de l'année, nous comptions au sein de notre association près de 300 éditeurs. Et maintenant, nous en avons 50 de moins. C'est une baisse assez forte de nos membres et nous savons, parce que nous écoutons les informations, que des éditeurs sont en train de disparaître. Le secteur dans lequel je travaille, celui de l'édition pour enfants et adolescents, a un peu plus de chance que celui du livre pour adultes. Car malgré la crise économique, les familles consacrent encore une partie de leurs faibles économies à acheter des livres à leurs enfants. C'est pourquoi les livres pour enfants s'en sortent un peu mieux.